journée qui est un peu longue, donc on ne peut pas forcément faire toutes les activités, tout ce qui est simulateur, les jeux, tout ça. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, mais ça c'est normal comme chaque année et comme chaque grand salon. Mais franchement, c'est pas mal sinon. Le programme est bien. Tout à l'heure, il y avait le championnat de FIFA. Avant, il y avait des PC, je ne sais pas trop quoi. Pour l'ensemble, moi j'ai bien aimé. Après, il y avait beaucoup de monde. C'était dur par exemple pour le quart de finale de l'ESWC. Pour le regarder, il y avait beaucoup de monde. Après, c'était bien dans l'ensemble. J'ai pu tester beaucoup de jeux comme Call of Duty, Ghost, Battlefield 4, FIFA 14. J'ai trouvé ça un peu fouillis personnellement. J'avais fait juste la Japan auparavant, j'avais jamais fait la Paris Games Week. Donc j'ai trouvé ça un peu trop serré par rapport à la Japan. Donc je pense qu'il y aurait besoin de changer de lieu. C'est vraiment pas mal, c'est un bon salon pour le public, il y a plein de jeux à tester, il y a plein de monde, donc le salon il marche. Un salon très 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 grand, contrairement à l'année dernière. Beaucoup de jeux, par contre beaucoup trop de files d'attente, c'est impressionnant, surtout pour un certain Call of Duty. Un salon bien rempli, avec beaucoup de monde, vraiment bondé. Plutôt pas mal, mais avec moins de jeux et moins d'animation que l'année dernière, mais plutôt pas mal. Beaucoup de monde. Un petit peu déçu parce qu'il n'y a pas les jeux que je voulais voir. Pas mal de monde, on se marche un peu sur les pieds, tout ça. C'est assez chaud. En fait, c'est mieux de passer un peu sur le côté, tu vois. Sinon, il y a plein de jeux à tester, trop de queues par contre, plus d'une heure de queue à chaque fois pour Battlefield 4, Call of Duty, j'en passe, même si ça m'intéresse pas trop. Un peu plus dans la concurrence, moi. Super bien, beaucoup d'exposants et aussi pas mal de nouveaux thèmes. La Paris Games Week, c'est bien. C'est grand, il y a plein d'éditeurs, il y a plein de trucs à tester, tout c'est cool. Plutôt complet, ouais, il y a un peu tout. Faut trop faire la queue par contre quoi, pour essayer genre la PS4 ou la Xbox One. C'est la première fois que je viens, je suis content d'être venu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de queues sur des jeux tels que Ghost. C'était bien, mais c'est vrai qu'il y a un peu trop de monde quand même. C'est franchement super sympa. Moi, c'est la première année que je viens. Et franchement, ça faisait plusieurs années que je voulais venir, mais là, je suis pas déçu du voyage et c'est vraiment super intéressant. Il y a plein de choses, il y a plein de gens et tout le monde s'entend bien, ça se passe vraiment bien. C'était pas mal, il y a eu plein de jeux en exclusivité et puis on pouvait essayer plein de choses et sachant qu'il y avait des jeux à l'avance, donc c'est cool et puis ça peut nous donner une première impression avant de les acheter pour rien et voilà. C'était un bon moment. Je pense qu'ils ont dû rajouter un hall parce que je trouve que les grands jeux, ils étaient un peu trop proches et en fait, il y avait un peu trop de circulation. Et on avait du mal à bouger. Alors c'était un peu le plus dur. C'est génial, ça vaut le coup de venir. Enfin, avec tous les cadeaux qu'ils balancent, enfin, ça vaut le coup franchement. Et en plus avec tous les jeux vidéo qu'il y a, franchement ça vaut. Il y avait énormément de nouveautés, énormément de jeux qui valent le coup dans les temps à venir, franchement. Et je pense que la technologie maintenant a permis de faire énormément de choses sur. Au niveau de la PS4, au niveau de la Xbox One, c'est l'avenir, hein, et c'est pas fini. Non, ensemble c'est sympa en fait, de voir les nouveautés, les nouvelles consoles qui sont présentées, tout ça. La Paris Games Week, c'est un truc, c'est vraiment grand quoi déjà, c'est bien. C'était plutôt sympa, par le monde bien sûr, mais bon ça après c'est un salon. Hein. Mais sinon, de bons points comme des points positifs, les gens sont extra, sont super sympas. Et un point négatif, c'est les queues. Franchement, c'est les queues. Une très bonne ambiance. Et un point négatif, l'organisation dégueulasse. Le point positif, les cadeaux. Le point négatif, le monde. Il y a beaucoup de stands différents. Le négatif, pas assez géré. Sécurité et tout. L'attente. Point positif, après, les cosplays. Point négatif, c'est qu'il y a beaucoup de monde, encore plus cette année, parce que faut savoir, je pense que vous êtes déjà au courant, il y a eu l'histoire des 500 premiers arrivés qui repartent avec Ghost en édition prestige, sachant que le pack vaut 200€, donc du coup les gens se sont rués devant la Paris Games Week. Il y a des choses qui ont été cassées, etc. Normalement sur la chaîne de Sam, vous avez dû voir le micro-trottoir qu'il avait fait, donc vraiment c'était catastrophique. Ensuite, mis à part ça, c'est vrai que le point positif, c'est qu'on peut revoir tous nos amis, on peut revoir des gens avec qui, en fait, toute l'année, on parle sur Skype, etc. On les voit enfin en vrai, donc c'est super sympa à faire, et voilà. La Paris Games Week, c'est un événement, c'est le rendez-vous des gamers. Un peu trop serré au niveau du salon.
Et au niveau positif, bah, y a beaucoup de célébrités qui traînent aussi un peu sur le salon, donc j'ai bien aimé ce côté-là. Point négatif, comme j'ai dit tout à l'heure, les heures de queue, tu vois, on peut avoir 4 à 5 heures de queue, alors là le truc vraiment casse. Voilà. Ou sinon, enfin les points positifs, on a je sais pas. Enfin, on peut gagner des. Enfin comment dire, en jouant à des jeux, on peut gagner des choses. Quoi. Enfin, c'est bien ça. Un point positif, l'essai des jeux, le point négatif, le temps d'attente. Il y a eu Dark Souls 2, parce que je l'attends beaucoup avec mon copain. Le monde, il y a trop de monde et dans certains stands, il y a beaucoup trop de bruit. Mais sinon, non. Je suis un peu déçue parce que je voulais tester la PS4, mais trop de monde. Point positif, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Et point négatif, faut pouvoir se déplacer. Moi ça va, mais c'est sûr que ça ne va pas être facile pour tout le monde de venir ici. Si on n'habite pas près de Paris, ça doit être assez compliqué. Point négatif, c'est la queue qu'il y a. C'est le seul point négatif. Sinon, le point positif, c'est l'ambiance. Elle est vachement sympathique et ça donne envie d'y retourner tout le temps. La gestion, des fois, dans les stands, elle n'est pas géniale. Comme dans, par exemple, le stand Sony. On sent les files d'attente, parfois, qui sont très longues, qui sont mal gérées, en plein milieu des allées. On ne sait pas trop qui fait la file d'attente ou pas. Ça se bouscule, on rentre dans les gens. C'est l'accès à pas mal de jeux qui vont sortir ou pas. On peut jouer. Les nouvelles consoles aussi. C'est vraiment quelque chose de sympa. On peut jouer à la PS4 et à Xbox One. Donc ça serait ça vraiment le gros point positif. Point positif, je suis très content de la Xbox One, de l'évolution qu'ils ont fait, des nouveaux jeux. Et ce que je n'ai pas aimé, j'ai pas gagné la Xbox One. Le point positif, c'est qu'il y a beaucoup de jeux nouveaux et le point négatif, c'est qu'il y a trop de gens. Le point positif, c'est la pluriculturalité, il y a toutes les consoles, franchement. On se marre bien, on a tapé des barres, on a découvert Dota 2 qu'on connaissait pas, on a regardé la finale, franchement c'est énorme. Puis le point négatif, peut-être l'attente, mais sinon c'est autant. On peut gagner des choses, c'est cool, et il y a des concours, tout ça, il y a une bonne ambiance, donc c'est cool. Point négatif, j'en vois pas. J'ai pu tester Xbox One, ça j'ai bien aimé ça, FIFA 14. Par contre j'ai pas eu le temps de tester Assassin's Creed, c'est ça qui m'a... Voilà, sinon voilà, la PS4 aussi. Point positif, les jeux, il y a vraiment du choix, vraiment beaucoup de jeux. Les négatifs, je n'en vois pas spécialement pour le moment. Tester la nouvelle PS4 et la Xbox One et pas mal de monde. Point positif, pouvoir tester la PS4 et la Xbox One. Et point négatif, vraiment le manque de jeux et le manque de nouveautés dans ce salon. Just Dance. Just Dance. Moi je suis venu pour un jeu surtout, c'était Counter-Strike Global Offensive pour la finale du championnat du monde. J'étais là, j'ai regardé, je me suis vraiment bien amusé. Après j'ai pu jouer aussi sur une petite scène à côté et franchement... J'ai plutôt testé du côté des indépendants, des écoles et formations, un petit jeu qui s'appelle Replay, qui est assez sympa, c'est un peu prise de tête parce qu'il faut réfléchir, mais sinon dans le principe il est sympa. Ah, j'ai un petit charme pour Dig Drazy 3. 14. Pas Forza 5, Grand Turismo 6. Un jeu que je retiens, ça sera Forza 5. Et Rise, qui m'a bien plu, franchement. Que ce soit visuellement ou même dans le gameplay, je m'attendais pas à ça. On avait vu à la Gamescom ou à l'E3 un gameplay qui était vraiment basé sur des QTE. Et là, on a eu un vrai système de combat qui était vraiment sympa, qui est vraiment immersif comme jeu. En plus, on a une bonne bande son, c'est magnifique comme jeu. C'est vraiment, pour moi, le plus beau jeu du lancement de la One. C'est vraiment sympa. J'ai bien aimé et c'est le meilleur jeu pour moi sur ce salon, c'est mon coup de cœur. Pour moi c'est Watch Dogs. Ok. Voilà, pour moi c'est Watch Dogs. Donc j'ai bien aimé Watch Dogs, ça m'a bien plu. Le jeu que je retiens, Pokémon XY, c'est la base. Je dirais Mario Kart 8, il est vraiment bien. Pour un jeu Wii U enfin, mais un très bon jeu, ouais. Battlefield 4. Battlefield 4 qui est monstrueux, c'est vraiment bien. Battlefield 4. Call of Duty Ghost, j'ai fait deux fois. J'en ai plusieurs, mais mon favori sera Call of Duty Ghost. Call of Duty. Call of Duty Ghost. Assassin's Creed. Assassin's Creed 4. We'll be right back.
Pikachu. Faire une photo avec Pikachu, c'était un point positif. Il y a un peu trop de queues aussi, des fois c'est mal géré. La forme des queues, des fois il y a des queues en pleine allée, on sait pas vraiment. Non, je sais pas. Tu dois retenir un jeu du salon, ça serait lequel? J'en ai pas fait. T'es venu pour quoi? Pour faire des prix hugs et pour regarder, pour accompagner mes amis.